J'entends le désespoir surtout. Moi, je comprends qu'on ne puisse pas vivre avec 1180 euros par mois. Donc, je ferai remonter cette information. C'était vraiment une réunion pour voilà, prendre l'intégralité de leurs requêtes, l'intégrité des demandes, et les faire remonter au plus haut niveau, tout simplement. Bah maintenant, c'est notre rôle, nous, parlementaires, d'aller sur le terrain, de les rencontrer, de dire, voilà, vous avez un problème, je vais vous expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire pour vous, et aussi ce qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est juste de l'échange. Et avoir une relation très directe. Moi, j'ai une relation très directe. Il n'y a rien, il n'y a rien qui arrive. Donc j'ai insisté sur le fait que chacun devrait prendre ses responsabilités. C'est un petit peu énervé, à juste titre, parce qu'on voyait bien que on est en bateau et nous on veut des résultats. Hein. Bon, on est bien d'accord que si on demande ce soir certaines choses, on ne va pas les avoir demain. Mais depuis le temps que ça dure, il n'y a toujours pas de résultats.